Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve dans ma salle à ordi tout simplement parce que l'intro a buggé et qu'il faut la refaire. Donc aujourd'hui on est normalement à Pugéville et on va faire une sortie qui est concoctée par notre ami Gabi que voici. Allez, ça part de là! Ah bah allez, on est parti. On commence tranquillement là. Apparemment ça va être vallonné au début du parcours. Et après on devrait se prendre un petit coup de pétard. On est parti pour 40 km je crois. Nous environ 900 de dénivelé. Allez, on verra bien quoi. Ça risque d'être bien. Allez, on monte tranquillou. Ça commence à gratter déjà. Là, on va direction le château de Flassan. On va un petit peu comme c'est beau. Les 8 millions, ils ont les watts. Ça dérape quand ils appuient sur les pédales. Moi, c'est pas mon cas. Le vélo, il est bien ancré au sol. Allez, on est sur le canal de Suez. Enfin, je sais plus quoi. Ça bat les couilles quoi, on pédale quoi. Le canal de Suez en Provence, voilà. On va faire le bord là. Tranquillement. Allez, on est toujours sur le canal là. Et on est tout beau. Bon, ben on est arrêté là. Moi j'aurais bien passé en bunny up, mais bon, il me gêne. Donc du coup, ben voilà, on le fait pas du coup, je suis chagriné. Bon, pour l'instant ça roule tranquillement. C'est pas pour faire mon bonheur. J'aime bien quand ça démarre tranquille comme ça. Là on a fait quoi? On a quand même fait déjà 7 km. Juste 100 mètres de dénivelé, ça change un petit peu de ce qu'on se prend d'habitude d'entrée de jeu. Bon, n'empêche que ça va quand même bien monter. Il y a deux montées bien bien raides. On verra bien, on les prendra quand elles arriveront. En plus, un peu de soleil là, ça fait chaud. Que du bon. Et puis c'est joli en plus. Allez, on y est. Première vraie montée. Vous n'avez pas menti. Ça monte. C'est assez raide. Bon, vu que c'est une route bétonnée pour hiver, il y a du grip, donc déjà ça aide, mais les cuisses elles piquent et on n'est pas encore en haut. Bon bah tu vois, je sais pas, parce que si c'est pas parce qu'on s'est bien échauffé avant sur du roulant. Mais du coup, les passées crème, ça, la première montée, impeccable. Pourtant, c'était raide par endroit. Que du bon, quoi. Ça fait plaisir, un peu de pas souffrir. La reprise de Philippe. Il est revenu après 5 semaines d'absence. Max, te like pour lui. Ah. Ah ben c'était pas fini, ça monte encore, c'est pour ça que j'étais pas mort. Non, ça va toujours, mais ça monte encore. Allez, fais le bisou à la caméra. Ouais, ouais, le bisou, bisou. Ouais, 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 il est fou complet. Ah, il est dans même pas les mecs là. Ouais, ouais, ah, il est gentil, il est gentil. Ouais, 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 ouais. Bon, on est sur les pistes là. Tranquillement, ça roulotte un petit peu. Quand même bizarre. On monte, on monte, on monte et on descend pas pour l'instant. Je sais pas si on va monter jusqu'aux voitures. C'est une sortie qui fait que monter. Mais ça reste joli, puis ça fait du bien un petit peu de d'avoir des parcours un petit peu moins violents de temps à autre et de le prendre un petit peu plus en promenade. Bonjour.
putain, ça va vous changer là, ça descend un peu, mais c'est large et c'est plat. Ah, ah, ah. De suite, je suis un peu plus à l'aise quand même, hein, vous avez vu? Je galère moins là. Hein. Putain, une bonne draille, allez, une bonne draille, une bonne draille. Allez, on est dans les vignes, tranquillou, ça baladouille encore. Je vous ai dit, aujourd'hui c'est sortie découverte, on va voir un petit peu des paysages. On promène, on se détend et on oublie la semaine de travail et les actualités. Il y a un petit grillon à côté là. Et puis c'est parti, on continue. En tout cas, c'est bien sympa. Super beau. Allez, dans les sous-bois. C'est magnifique. Allez, on est arrivé dans les lotissements de Flassan et là on se tape la montée, on va aller en direction de, enfin rejoindre le château de Flassan pour le point de vue et la beauté du site. Encore, on a de la chance, ça pourrait monter. Là ça va, c'est presque plat. Du coup, ça se fait tranquille. Là, on arrive au village avant le château. Et puis voir la petite chapelle. Les petites ruines. Et puis on continue à monter. Ils sont là-haut. C'est vous. Du cire, des sarrasins. C'est vous. Oui. Faut pas avoir photo après. Non. Oh. Bien, filou. Allez, un petit 360. Ça c'est le top. C'est pour ça qu'on en chie en VTT, pour vous montrer tout ça. Elle est bonne la barre? Nickel. Voilà. Après l'effort, le réconfort. On fait le petit goûter au château. Tu connais tout ça? Si grand angle que ça? Bah Philippe, c'est pas grave, habitué. C'est bon? Ouais. C'est bon, c'est bon. Normalement, c'est. Allez, on est parti, on roulotte un peu dans le château et puis. Oh, Gabi, il connaît là. Il connaît, il s'enflamme là déjà. D'entrée, bam, 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 il a fait. Clac, clac. Ça sent tout droit là. Yes. À gauche. Allez, mon Gabi. Oh putain, gauche, droite. Là, s'il ne connaît pas, tu vas pas où il faut. Allez, on va se faire une belle petite draille là, il a dit Gabi.
Et s'il a dit, moi j'y fais confiance. Tout autour du château du coup. Ah, sympa. Ouais. Oh putain, j'ai pas la bonne pédale, la bonne vitesse. Putain, ça remonte. Je me suis fait avoir là. Ah non, ça redescend. De suite. Ah, là, faut pas prendre le bidon. Ouais, attends, il y a plus de personne derrière. Ouais, ok. Seb, tu savais pas? Seb, bah préviens-nous avant. J'ai prévenu. On était en bas du vélo. On arrive, on fait le dernier moment. Et après, il a fait avec eux. Eh oui, mec, j'attends la vignette là. S'il y en a un gentil, je fais une vignette. Ouais, ouais, ouais. Non. Enzo, il a été frileux là. Vous l'avez arrêté là. Non, voilà. Elle n'est pas là, la vignette. Ah, elle y est pas. Non, pas du tout. Moi. Ouais, joli. Allez, pas tout. Pas tout, montre au président ce que tu vaux, toi. Ouais, pas tout. Voilà, il y a des vrais là, Ah, elle aime bien se taquiner. Mais en vrai, tout ce qu'on sent pas, faut pas le faire. Ouais, j'ai entendu un truc partir, je sais pas ce que c'est. J'ai pas perdu un truc? Non. Bon, allez, ça repart-tu. J'ai cru que j'avais perdu un truc parce que. En fait, j'ai dû rouler sur quelque chose, je pense. Qui a fait un drôle de bruit. Ouh ! En travers, le mur. Et on revient dans Flassan du coup. Non, normalement je suis le dernier. Regardez comme il est beau. Allez, on est redescendu là. Et on suit le petit cours d'eau à côté de Flassan. C'est encore sympa par là, reposant. T'as le petit bruit d'eau dans tes oreilles. Ah, ça fait du bien. Oh, celle-là, déjà faut la connaître pour la prendre parce que on est rentré dans un petit bosquet, tu te demandes comment aller, mais alors elle est courable. Ah. Là, une petite, c'est ce qu'on appelle une dry. Une dry sale, mais une dry. Oh putain! Allez, on est toujours dans les rayons. Ça descend, oui, ça pédale un peu. Ça monte. Je sais pas si ça descend. Ça y est. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont pas heureux là, regarde. Non? Qu'est-ce que t'en penses? Ah, regarde, il y a le président, s'il est pas heureux. Mais il y a Sébastien, il s'appelle pas Sébastien, c'est le mec de Petite Attitude. Ouais, il sert à rien, mais non, sur non, commence pas à dire ça, je t'ai pas dit ça aujourd'hui. Ça y est, il est en travers, il est énervé. Je dis, t'as rien compris. Allez, c'était à la déconnade, maintenant il va le sortir pendant deux ans ou trois ans. Ça. Ah. Il est vexé. Ah, pas d'humour.
Pas du tout. Il a l'humour à moi. Oh putain. Attention, alors là on a un fait très rare, très rare. C'est comme les éclipses de lune, ça doit arriver une fois tous les 10 000 ans. Je vous le filme. Il y a Seb, il est là, il est devant. Il est devant. Voilà. Donc, je sais pas. Ça, mettez les lunettes de soleil et on regarde. Regardez. Voilà. Alors, je sais pas où on est, mais ça reste magnifique. Parfait. Allez, ben on est parti pour, je pense, la dernière montée, celle de Thème. On a 200 mètres de dénivelé à prendre sur 2 km, je crois. Un truc comme ça. Enfin, en fin de sortie après 34 km dans les pattes, même si c'était plus ou moins roulant pour ma forme du moment, ça commence à grincer un peu, mais bon, pas si mal, je suis quand même content. Allez, pour celle là c'est gagné, on l'a faite. Tu vois les copains vont venir. C'est que t'es au bout. Là on est sur le plateau de Thème. Alors après il y a encore des hauteurs là. Alors je sais pas si ça va encore monter ou si on redescend ou qu'on tourne. On verra bien. Allez, petit point de vue. Et coucou. Bon, et moi qui croyais descendre de suite, non, ça monte encore dans les crêtes, mais c'est joli. Ouais, je sais pas si c'est là le départ de la descente, mais c'est sympa. Alors on commence à filmer. En fait, c'est à la fin qu'on a les belles descentes. Ah ouais, je me rappelle de celle-là. Ouais, c'est ce que je vais faire. Ouais, celle-là, elle est technique, c'est vrai. On va s'arrêter là, on va filmer les copains dans le premier passage. Le mangeur de plaquettes. Hop là, c'est passé. Passe là. Ouais. Ouais. Nickel. Comme une jeune mariée. N'oubliez pas que gamelle égale vignette. Ah, Seb. Joli. Baba. Joli. Allez, tout le monde est passé. Hop là. Maintenant c'est mon tour. Écoute, on verra bien. J'ai pas pris de plus facile, mais je sais pas, la goulotte elle m'a pas plu. Ah, ça va être bon. Vous avez patienté tous. Si vous avez patienté, vous avez été patient jusqu'à la fin de la vidéo,
Là, on va s'amuser un peu. Ça fait longtemps qu'on l'a pas faite, celle-là. Je me rappelle même plus. Je sais qu'elle est bien du début à la fin, mais je me rappelle plus trop comment c'est quand même. Putain, c'est bon ça, je sais pas. J'ai du mal à pencher le vélo pour retourner derrière ça. Elle est bonne celle-là les amis, non? Je dirais ce que vous en pensez. Tout droit, ça passe. Pour cette descente, elle était fantastique. Allez, c'est reparti pour la suite. Ah la queue le le. On s'éclate. Ah la queue le le. Qui c'est qu'on a? Qui c'est qu'on a? Qu'est-ce qu'il a fait, Baba? Allez, Baba! Pinaise, on s'est encore fait avoir. On nous avait vendu plus de montée là. Et il y en a encore. C'est pas normal ça. Ah non, ça descend de suite là-bas. Ça va. Je râle pas alors. Bon. Là, c'est un peu moins intéressant. Brasser et glisser, il n'y a pas grand chose. Je vais pas m'arrêter. Bon, on a fini cette dernière descente. Et là, je pense que maintenant on va se retourner tranquillement en voiture. Qu'est-ce que t'en penses? On va aller prendre le verre de l'amitié. Ouais, ah, il me semble. Même si on n'est pas, si on n'a pas d'amis, on va prendre un verre. On a pas besoin d'amis pour ça. Ouais, c'est pas mal. On fête son divorce en fait. C'est inquiétant quand même pour Cyril. Bon, mais voilà. On va se boire un petit coup, une bonne petite sortie. Alors moi je la mettrais plutôt dans la catégorie des sorties entraînement. Ouais, avec une bonne récompense à la fin. Si tu t'es bien entraîné, si tu as bien roulé, tu as droit à la cerise sur le gâteau à la fin, la descente. C'est vrai qu'il y en a qui ont pris la foudre encore aujourd'hui là. Ouais. Il y en a un qui s'appelle Brutus. Tout le monde le connaît, mais à ce moment, avec les chips qui bouffent, c'est normal. Non, là, il a marqué Red Bobard. Avec les chips qui bouffent, c'est normal. Mais voilà, mais zéro. Donc, il n'y a pas que moi qui suis pas bon, vous avez vu? Ni tchénienne. Allez, ciao tout le monde.